Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce lundi 20, le premier mois 1443, qui correspond donc au 30 août 2021. Cérémonie de prêche à Bapo Djigro, également précisément devant la porte de la grande famille de l'islam, la grande cérémonie d'hommage. Organisé par l'association Ibn Islamia, a été donc animé par le guide Farouk le samedi dernier. Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, et bienvenue à une grande cérémonie de prêche a été organisée par les membres d'Ikmadine Islamia International pour rendre hommage à notre grand-père Bobassil Koulibaly, le père du Christ-Père de la révolution Ikmadine Islamia International, son excellence Dina Cheikh Omar Sylvain Farouk. Cette cérémonie de prêche a été animée par le guide Farouk en personne. Mais avant l'intervention du guide, plusieurs membres d'Ikmadine Islamia, notamment les porte-parole des différents bureau de la révolution Ikmadine Islamia ont affirmé leurs mots de satisfaction et les mots de remerciement envers Bobassidou Koulibaly et envers le guide Farouk en personne. À Bapo Djigro, plusieurs grandes personnalités étaient au rendez-vous des membres et sympathisants de la révolution Ikmadine Islamia, des chefs religieux et traditionnels. Suivons donc le reportage avec Oujma Snaïko et Bokartanga. Bobassidou Koulibaly, le père du guide spirituel de l'Association pour le complément de l'islam, également le maître du guide spirituel de l'Association Ikmadine el-Islamia, son excellence Sidna Cheikh Omar Seydou Koulibaly, Ayatullahi Fidina, est décédé en 1989. Il est reposé éternellement au cimetière de Sang. Ce décès est intervenu également lors d'un troisième jour du mois béni de Muharram. C'est pour cette raison essentielle. À l'occasion du décès de Bobassidou Koulibaly, chaque année, pendant le mois du Muharram, les membres et sympathisants de l'Association pour le complément de l'islam organisaient une grande cérémonie de prêche pour rendre un vibrant hommage au père de notre guide spirituel El Hadj Cheikh Omar Seydou Koulibaly Ayatullahi Fidina. Ce prêche a eu lieu ce samedi 28 août 2021 devant la grande porte du guide El Farouk à Bako Djikourouné Remakono en commune 5 du district de Bamako. Les grandes personnalités de la localité, les leaders religieux, les membres et sympathisants de l'association Ikmadine, tous animés du même sentiment et tous venus pour la même circonstance, ont massivement répondu présents au rendez-vous. C'est aux environs de 23 heures que le guide spirituel de l'association Ikmadine, accompagné de toute sa famille, très bien habillé, a fait son entrée triomphale et chaleureuse sur le lieu de prêche. Après des salutations vibrantes et des salutations chaleureuses, le guide s'est assis sur la place du Saint-Prophète sur un podium impressionnant. Les membres et sympathisants de l'association Ikmadine, les leaders religieux présents, ont passé tour à tour pour exprimer leurs sentiments qui ont tous formulé de grandes bénédictions pour le repos éternel de l'âme de notre père et grand-père, Bobassidou Koulibaly. Prenant la parole, le guide a remercié les uns et les autres tout en nous invitant à la pratique authentique de l'islam. Nimbarin, Nam, Kalamba de Bakono, Kenyeshin Slame Bema. Aunga jine. Naam. Jugu sera la ni femba munu bini ye kabuwa koro. Aha. Ode inye ma dogoye. Odo kulubali. Slamaya jugu ya sigika slamaya laje. Te. Kele bedesele kofe. Sigatala. Plan bedesele kofe. Te. Pura anga jine imbi ka kansa koi. Naam. Anga anga muneke. Aha. Uye po endama do deta. Te. O bilibili ba. Naam. Nyema abunye miimbe silame ubulu. Te. Anga fereke kuoba. Peo. Ni nyema abunye bana. Naam. Silame ya kono dungu udu. Aha. Abike sa kungulo tigeli. Sigatala kulubali. Uye juru kise di etafandala. Te.
ni politiki de tara silamaya kama naam billahi ode nyema ko ba silamaya ko siga tala global mi kene kandalu do dima ni mirilo la dore ba fam te jie kono naam et de là ka me folo ko ni jie silamaya o nyemo ko yo apata fiao ha naam chrétien o nyemo ko bi o bi o silamaya o bulo chrétien o te tie ka kafir o de do ma o masara ki to chrétien ya ka bi jana ma kono o silamaya o ke hakil na yo de siga tala global o do ha naam o e wuli bali e fene silamaya na le ko fe naam dine foite mi bi mi na ala yo ron islamaya o te fe o global me jie chrétien o nyemo ko bi obey mais Dieu cela me on nyemo ko e ninyi et de là comme apada fio otéu tien ton nyemo ko debé sigatala kulo nyemo ko debé tien ne kalande on nyemo ko e ne o debé sigatala mais ne Dieu cela me on nyemo ko e Dieu ku fa ku ati até fio ko mute wa sababu were tala de kan kla kla kan fara fara kan banyo gona ke nyema dugo ya sabata ni nyugo nje o de kama silama ya beninjo ina sigatala global ah naam kenyema obunye bampiu miyanga misiri kona ulaje bayi juma dofe misiri bifa sigatala akona nye kare baby tige jama fe sigatala kulu ambe na ambe kana ambe juma seli alimami bi kutuba yeleka juma seli ni salamu blala dokurunya flabe alimami fedora bi fe kafo jama yi o foro te so fiao bebe tapi kurubo bebe ka gloke ko bugo siga tala global ani mami bi wele daga siga aya sigi sa ami fe ka ne foi ko so ko so siga tala bebe ta globali amina seli ko nga amugo ti lawu andanti la ibunya tanyoro globali seli ngoni fombe ko do anwulola na mana juma seli atinye andai oye me emi mba seli ni kuduba kala nanye amugo foiti la ibunya tanyoro siga tala pomu kene kango te ya ene ala che ni jama kerati o jama bi fanga bomini the voice ro kulubali o jama bi fanga bomini mona nyema dogoya ni nyema la gushi ani nyema bonye chie uyo de sabati islam o ni nyogo njeta sigata la kulubali ndela kafi te urume o kajan sigere o dela kana kira laje naam kishin nama bama wasole ka fo kira kembe ka jie besra a kembe ka jie be menanse bi naam jie be sigale do jie fanga be ka fuat na kama shila sigata la kulu mono kana gere kira la ka laje naam aka forsu e jume ne se jume ne ba bulu no de kama jie fanga besra le do anye allah akbar kulu wale ah ulo da kira laje te uye poye demando de tam mogo bi kile ne la te uko aka mogo wa bonye bu yoro kujuku sigata la udamba la na e daji tuati se duguma uba kumbe nyana akase duguma ko dugun kuluba a bonye fe ana kanu fe uyoro ula jama o jama nu dambu ke nyema la nyema bonye nu fe ka se o degere la ma te se o jama na sigata la kuluba a naam ula le kira laje forsu jume mba la nu de kama jie besra mbanye uye poende mado minta u gana de kera kwa bonye baka mogo uyoro kutu sigata la kuluba la odo a naam mana silamaya jugu ye ni ne ye te fanga ni ba nyema bunye ko bampe sigata no kera ko bi kansa ko sigata la global wa keru sa ko ye de sigata la ala je ke naam maliko na ya durante jien dima silame wa ne ka cha be tabulo be naam me fanga bana fiao foi a anga fanga bin sa buti dore yo bebaliya sigata la tunde kile bebaliya ni bonde kile bebaliya ani nyema bonye bana ani nyuanje ode kama anga changa fanga tana chando pa mudi me alhamdulillah naam ala ka laidu ti wuli fiao ala laidu ta ka bi dine ngorota allah akbar ya bada na kwa bibi naam ala be kulu do sigi sika sigata munu mina wuli ka jo ka kle iba fo ala ya da ka kira mo allah akbar ya maruna na kulu la ikmadin islamiya ton de miseni de do te sobu wa faranyo nga furada mani biche naam wati jande sigata la onga ambiga ka tamashie minye naam neni kontine na te anjigi beslamiya be farali mina nyugonga naam amba do abisra la wabi sabati sigata la beke bomu wuli balidu te
ningele ne masigi wane ma lanyini apata ikmaldini de yasigi adamina ni biche olu de basigi chano pa umude komu ngama oke akahinei kanyashi basedu sigatala kulubal basedu jume nam ankara mugofa ankara mugofa allah akbar me basedu nakadnere ne ba fomayi parce que abisa wati mina aya soro ne teme santani donika sigatala kulubal ah nam mana bangaba mi mbori bulo kasore me balikuya ime teme santani donika niko imu ye me kalundige sigatala kulubal we ne yere ne mi fa Sigatala. Mana au bitugu ne ko wati mina o ya soro basedu kon ni je farala mena sigatala kuluba me hal ni au mayi nam anta do nga au ngara mo go bange badu Otu. O kama bonye ba nyoro o kama na zike ahina la selila nga nyina maya be sigatala kuluba c'est aux environs de Zurier que de grandes bénédictions ont été formulées sous une forte pluie pour mettre fin à cette grande cérémonie de prêche. Que l'âme de notre grand-père repose en paix. Amen. Voilà, que l'âme de notre grand-père, Papa Sidgoulbalé, repose en paix. Nous allons continuer cette édition. Désormais président incontesté de la transition, le colonel Assimi Goïta a conservé à ses côtés une garde prétorienne dont il a connu la plupart des membres dans les rangs de l'armée. Oudjma Snaïko, donc à vous, vous présente donc les hommes du colonel Assimi Goïta. Patron désormais incontesté de la transition malienne, le président Assimi Goïta a conservé à ses côtés une grande prétorienne dont il a connu la plupart des membres dans les rangs de l'armée. Pour garantir sa survie dans un régime de transition, il vaut mieux s'entourer d'hommes en qui on a une confiance presque aveugle. Et depuis qu'il a adossé le costume du président de la République, le colonel Assimi Goïta, qui se sait scruté sur la scène internationale, applique ce principe à la lettre. Secret par nature, il a tout verrouillé autour de lui depuis la crise du 24 mai 2021 qui a plongé le Mali dans son deuxième coup d'État en moins d'un an. Il ne s'entoure désormais que d'une poignée de fidèles au premier rang desquels les camarades du Comité national pour le salut du peuple qu'il rencontre tous les jours pour parler de la situation du pays. Il s'agit du colonel Sadio Camara, le colonel Malik Diaw, colonel Modibo Kone et colonel major Ismaël Wagé. Résidence surveillée levée pour l'ex-président et premier ministre de la transition. Les autorités maliennes de la transition ont donc levé toutes les mesures restrictives imposées aux anciens présidents et premiers ministres de la transition, Bandao et Moutarouane, évincés donc le 24 mai par les militaires et maintenus depuis en résidence surveillée selon leur entourage. Les autorités maliennes ont levé toutes les mesures restrictives imposées aux anciens présidents et premier ministre de transition Bandao et Moutarouane, évincé le 24 mai par les militaires et maintenu depuis en résidence surveillée selon leur entourage, a indiqué la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vendredi. Le comité instauré pour suivre la transition ouverte après un premier coup d'État militaire en août 2020, se félicite de la décision du gouvernement de lever toutes les mesures restrictives concernant Son Excellence M. Bandao et Moutarouane, a indiqué dans un communiqué la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, médiatrice dans la crise malienne. Les deux hommes ont été arrêtés le 24 mai dans un second coup d'État mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires arrivés au pouvoir par un putsch le 18 août 2020. Bandao et Moutarouane venaient de s'entendre sur un nouveau gouvernement écartant des figures de la junte. La mise à l'écart de Moutarouane et de Bandao a été officiellement présentée comme une démission,
Assimi Goïta s'est depuis fait investir président de transition et a nommé un nouveau premier ministre. Bandao et Mokhtar Wane étaient sous le coup d'une résidence surveillée sans être nommés ainsi, selon ceux qui ont été en contact avec eux. Les autorités invoquaient la nécessité de leur protection. Les deux hommes n'ont pu encore s'exprimer publiquement sur les événements de mai et leur situation. Ils avaient saisi la Cour de justice de la CEDEAO et cette dernière avait donné au gouvernement malien jusqu'à samedi pour justifier leur situation, avait rapporté leur avocat Mamadou Ismaël Konaté. Insurrection indépendantiste et djihadiste. Monsieur Bandao et Mokhtar Wane devraient recouvrer leur liberté de mouvement alors que règne la plus grande incertitude sur l'avenir du pays pris dans la tourmente des insurrections indépendantistes et djihadistes de 2012. L'insécurité continue de s'étendre malgré la présence des forces françaises, onusiennes et étrangères. La crise sociale persiste et les avancées politiques sont lentes un an après le putsch de 2020. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué vendredi une opération qui a coûté la vie à 17 Maliens selon une source sécuritaire et une attaque à l'engin explosif improvisé contre un véhicule de la mission de l'ONU qui l'a précédé le 19 août dans la région de Douanza, a apporté l'ONG spécialisée CITA. Les militaires se sont engagés à céder la place à des civils après des élections prévues en février 2022. À 6 mois de l'échéance, le scepticisme va grandissant sur le respect de cet engagement et des voix s'élèvent pour une prolongation de la transition. Dans ce contexte, le placement sous mandat de dépôt jeudi d'un poids lourd de la politique, Soumaïlou Boubey Maïga, premier ministre de 2017 à 2019, a divisé l'opinion entre ceux qui ont salué son arrestation au nom de la lutte contre la corruption et l'impunité et ceux qui redoutent une manœuvre pour contrecarrer les ambitions présidentielles qui lui sont portées. Suivons à présent les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. Des frappes visant la plus grande base aérienne du Yémen ont tué plus de 30 combattants pro-gouvernementaux et blessé plus d'une cinquantaine d'autres personnes. Dimanche 29 août, dans le sud du pays en guerre, selon des sources militaires et médicales loyalistes. Les frappes ont visé la base d'Al-Anad, située à 60 km au nord de la ville d'Aden, deuxième ville du pays et capitale provisoire du gouvernement yéménite, en guerre depuis 2014 contre les rebelles Houthis. Plus de 30 personnes ont été tuées et au moins 56 blessées dans l'attaque. Suit Al-Anad a déclaré à l'AFP Mohamed Al-Nakib, un porte-parole des forces armées loyalistes. Ce bilan a été confirmé des sources médicales. Mohamed Al-Nakib avait accusé plus tôt dans la journée les Houthis d'avoir mené l'attaque en lançant des missiles et en tirant des drones. Les rebelles n'ont pour leur part réagi. Israël a annoncé avoir mené des frappes aériennes sur la bande de Gaza tôt dimanche 29 août après des lancers de ballons incendiaires vers le territoire israélien depuis l'enclave palestinienne. Les raids ont visé un complexe militaire du Hamas utilisé pour la fabrication d'armes et pour des entraînements ainsi que l'entrée d'un tunnel terroriste adjacent à la ville de Jabalia, affirme le communiqué de l'armée israélienne. Les frappes étaient en représailles au lancer des ballons incendiaires par le Hamas sur le
territoire israélien et aux violentes émeutes qui ont eu lieu hier samedi, précise le communiqué. Les autorités gazaouis n'ont pas déploré de victimes dans l'immédiat. S'exprimant à Washington, où il avait rencontré vendredi le président américain Joe Biden, le premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré qu'il tenait le Hamas responsable de toutes troupes à partir de l'enclave palestinienne. Dernière ligne droite, les évacuations d'étrangers et d'Afghans fuyant le nouveau régime des talibans sont entrées dimanche 29 août dans les dernières heures à l'aéroport de Kaboul, à quelques heures du retrait américain prévu et dans la crainte d'un nouvel attentat sanglant. Le rythme des évacuations a baissé ces derniers jours à mesure que de nombreux pays européens, dont le Royaume-Uni et la France, annonçaient avoir achevé les leurs à deux jours de la date butoir du 31 août prévue pour le retrait américain qui signera la fin de 20 ans d'une guerre infructueuse contre les talibans. Ce coup de l'effet fait craindre qu'une partie des Afghans qui se disent menacés par les talibans, notamment ceux qui ont travaillé avec des forces ou civils étrangers, au cours des deux dernières décennies ne seront pas évacués. L'armée américaine a détruit dimanche, à l'aide d'un drone, un véhicule chargé d'explosifs afin de supprimer une menace imminente du groupe État islamique au Khorasan contre l'aéroport de Kaboul, a annoncé le Pentagone. Les États-Unis ont réalisé dimanche 29 août à Kaboul une frappe défensive de drone contre un véhicule chargé d'explosifs afin de supprimer une menace imminente du groupe État islamique au Khorasan contre l'aéroport, a annoncé le Pentagone. Nous sommes certains d'avoir atteint la cible, a précisé Urban, un porte-parole du commandement central. Nous vérifions l'éventualité des victimes civiles, a-t-il dit. Des explosions secondaires provenant du véhicule ont montré la présence d'une quantité importante de matériel explosif, a-t-il ajouté. Des témoins à Kaboul disent avoir entendu une explosion près de l'aéroport et des images de télévision ont montré de la fumée noire s'élever dans le ciel de la capitale afghane. Seize ans jour pour jour après les ravages de Katrina, la Louisiane a été de nouveau touchée par un ouragan dimanche 29 août. Ida a déferlé sur l'État américain à la mi-journée, privant la ville de la Nouvelle-Orléans d'électricité dans la soirée. La compagnie Entergy, qui distribue l'électricité dans le sud-est de la Louisiane, a confirmé que la Nouvelle-Orléans était sans électricité, a tweeté Nola Reidy, une agence du Bureau de la Sécurité Intérieure et de la Préparation aux Urgences. Classée en catégorie 4 à son arrivée dimanche à la mi-journée sur les côtes de Louisiane, Ida est passée en catégorie 3 en début de soirée, la même catégorie que Katrina qui avait dévasté cet état du sud des États-Unis en 2005. Il a été rétrogradé en catégorie 1 dans la nuit par le Centre national des ouragans. L'armée américaine a annoncé vendredi 27 août avoir mené une frappe de drone contre un organisateur du groupe État islamique au Khorasan qui a revendiqué l'attaque meurtrière à l'aéroport de Kaboul pour laquelle le président Joe Biden avait promis des représailles. La frappe aérienne sans pilote s'est produite dans la province de Nangarhar en Afghanistan. Selon les premières indications, nous avons tué la cible, a précisé le commandant Bill Irwan du commandement central dans un communiqué disant n'avoir connaissance d'aucune victime civile. Au même moment, vendredi, l'ambassade des États-Unis à Kaboul a demandé aux ressortissants américains de quitter immédiatement les abords de l'aéroport dans une alerte de sécurité. La veille de l'attentat de jeudi, une alerte similaire avait été émise. En raison des menaces pour la sécurité à l'aéroport de Kaboul, nous continuons à conseiller aux citoyens américains d'éviter de se rendre à l'aéroport et à éviter les portes de l'aéroport, a rappelé l'ambassade. Plus tôt vendredi, le porte-parole de l'armée américaine avait affirmé que la mission d'évacuation à l'aéroport de Kaboul faisait toujours face à des menaces précises et crédibles. Dans la journée, une passe d'armes de communication entre talibans et américains avait alourdi la tension déjà très forte. Les talibans avaient annoncé avoir pris le contrôle de plusieurs parties de l'aéroport. Aujourd'hui,
Trois endroits importants de la partie militaire de l'aéroport de Kaboul ont été évacués par les Américains et sont sous contrôle de l'Émirat islamique, avait tweeté l'un de leurs porte-parole, Bilal Karimi. Les nouveaux dirigeants du pays ne s'occupent d'aucune des portes d'embarquement ni d'aucune des opérations à l'aéroport. C'est toujours sous le contrôle de l'armée américaine, avait rétorqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Le sort de l'Afghanistan au centre des préoccupations, l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan et le retour sur le devant de la scène du groupe État islamique après un attentat sanglant à Kaboul étaient l'objet de toutes les attentions à la conférence régionale qui s'est tenue samedi 28 août à Bagdad. À l'issue de ce rendez-vous, le président français Emmanuel Macron a donné une conférence de presse déclarant que des discussions fragiles et provisoires étaient engagées avec les talibans en Afghanistan. Avec l'aide du Qatar, suite d'éventuelles opérations d'évacuation au-delà du 31 août pour les Afghans désireux de quitter leur pays. En déplacement en Irak pour une conférence régionale, le président français a souligné que ces pourparlers humanitaires étaient l'une des conditions de toute discussion politique avec les talibans. Ces derniers ont pris de facto le pouvoir en Afghanistan après leur entrée dans Kaboul le 15 août, à l'issue d'une offensive éclair à travers le pays. Parallèlement au retrait militaire des États-Unis annoncé au printemps par le président américain Joe Biden, les talibans ont déclaré que toutes les forces étrangères devraient avoir quitté l'Afghanistan le 31 août, devenant ainsi la date butoir pour ces évacuations, malgré un nombre important de candidats au départ. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a accusé le président américain samedi 28 août d'avoir les mêmes exigences vis-à-vis de Téhéran que son prédécesseur Donald Trump sur la question du nucléaire iranien. L'ayatollah Khamenei a tenu ses propos alors qu'occidentaux, russes et chinois attendent depuis fin juin un signe de la volonté de Téhéran de reprendre les discussions entamées à Vienne en avril pour tenter de sauver l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015, torpillé en 2018 par Donald Trump. Le gouvernement américain actuel n'est en rien différent du précédent, parce que ce qu'il exige de l'Iran sur la question nucléaire est, avec des mots différents, la même chose que ce que Trump exigeait, a déclaré Ali Khamenei dans un discours dont des extraits ont été publiés sur son site internet officiel. Sur la question nucléaire, les Américains n'ont vraiment aucune honte, alors même qu'ils se sont retirés. Au vu de tous, ils parlent désormais et font passer des exigences comme si c'était la République islamique qui s'était retirée de ce pacte, a-t-il ajouté. Le numéro 1 iranien a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le nouveau gouvernement iranien du président Ebrahim Raisi. La Pologne construit une clôture à sa frontière avec le Bélarus alors que le pays fait face à un afflux de migrants. Cette clôture de barbelés de 2,5 mètres de haut s'étendra sur 180 km de long, soit la moitié de la frontière qui sépare la Pologne de son voisin. Varsovie soupçonne le Bélarus d'organiser ses flux migratoires en représailles aux sanctions européennes. Mais ce durcissement dans le domaine de l'immigration survient aussi alors que les conservateurs du parti Droit et Justice, actuellement au pouvoir, ne disposent plus de majorité au Parlement depuis le départ d'un partenaire de coalition. Ils s'y retrouvent dans les sondages au même niveau que Plateforme Civique, principal parti d'opposition plus centriste. Pendant la crise migratoire de 2015, le leader du pays S avait surfé avec succès sur la paix de l'étranger au cours de la campagne pour les législatives, allant jusqu'à évoquer des dangers épidémiologiques et toutes sortes de parasites que les migrants pouvaient, selon lui, introduire en Pologne. La crise migratoire dénoncée par le gouvernement a le visage d'une trentaine de migrants, probablement des Afghans, bloqués dans un campement de fortune entre le Bélarus et la Pologne, qui refusent de les laisser entrer sur son territoire et même de leur porter assistance. Douze ans après son départ pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United.
Le club maquinien annonce avoir trouvé un accord vendredi avec la Juventus Turin pour le transfert du Portugais âgé de 36 ans. Ce mercato d'été 2021 restera comme l'un des plus fous. Après le départ de Lionel Messi du FC Barcelone vers le PSG début août, l'autre monstre du ballon rond de ses 15 dernières années, Cristiano Ronaldo, bouge à son tour. Le quintuple ballon d'or retrouve 12 ans après Manchester United, son club de 2003 à 2009. Dans un communiqué publié vendredi 27 août, en fin d'après-midi, les Red Devils annoncent un accord avec la Juventus pour le transfert de l'attaquant. Sous réserve d'un accord sur les conditions personnelles, le visa et la visite médicale. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme compagnie de Réa TV. Nous saluons et remercions l'Idil Farouk Allah, le Tout-Puissant, lui donne une très longue vie. Et le protège toujours ainsi que toute la grande famille globale. Nous faisons également des bénédictions à notre cher Padre de Grand Mali. Que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Merci de votre fidélité. Qu'Allah bénisse le Grand Mali et que la paix règne partout. Au revoir. À la prochaine.